Il y a toujours une relation presque amoureuse. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui enlève toutes les barrières directement. Hein. Et je crois que ça, c'est la chose la plus importante. Il faut aimer les gens pour les photographier. Non? Je m'appelle Peter Lindbergh. Je suis photographe de mode et j'aime beaucoup faire des photos qui ressemblent un peu à des mises en scène. Ah, ça c'est bien quand tu es vieux, tu as des mémoires. Ça c'est bien. Hein. Quand tu n'es pas vieux, tu n'as pas de mémoire. Donc. Non, mais pour moi, elle n'a pas les yeux changés. Elle ne voit pas du tout ce côté star, mondaine, des trucs comme ça. Non? C'est une vieille relation. C'est une amie formidable, Naomi. Non? Et c'est ça ce que tu vois. Tu ne vois pas les articles dans, je sais pas, dans la presse ou des trucs comme ça. Tu vois une personne avec qui tu as une relation très proche et une vraie amitié. Non? Avec Naomi, c'est une vraie amitié. Même dans cette relation-là, avec cette amitié, avec cette tendresse, non? Il faut tu sais ce que tu veux, non? Donc il faut le faire, non? Et il y a toujours une façon d'arriver, non? Mais jamais méchant, jamais dominant, non? Football, so easy. Don't drag me, because I can't swim, really. No, this is not deep. Oh, no, but then I want to, no, you know, you go. No, I don't do that. No, go. No, but I want you to go, and I'm going. I would never look, do I'm getting that. Nervous. I would never do that to you. I would never do that to you. No, don't grab me. I would never do that to you. Never. Look, it's so nice. It's like Jamaica. It's not. Why? But I'm sensitive today. I know. It might be good, actually. Don't be a pain in the ass. I can't get my tummy wet. Look, it's so. Don't! No, 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 no! Double page or single page? Double, 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 double. Nearly. I mean, you look fabulous. I'm on my tippy toe. I can't. Look, hold on, give me the finger, I can't put my foot flat on the ground. I'm too nervous. So now you see how much I love you. One second. Hey, look, 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 look. Yeah, yeah, yeah. Oh, cook, cook. Wow, wow, wow. Hey, where's wow, my wow. hands go? Where do they go? What hand? Leave my hands. Where do they go? Double kiss. You know how that looks? Fucking fabulous. Automatic? No, no. What? No, it's coming back in there. Don't go there. It's going to be deeper there. It's going to be deeper. It's going to be deeper. Look, E.T. So, finish. Get out of the water. Oh, no, pull away, pull away, pull away, pull away. But is the next picture in the water? Yeah, they can change it here. I'm not getting back out. No, no. No, you have to change it right Alex, here. Get in. That's Once what it I'm is. In, I'm not getting out. I'm getting back in because it's going to be the same drama for me to get back. That's nice. I thought there was one more step. It's like finished. It's like finished. You know? Je crois que dans beaucoup de photographes qui pensent
ils sont obligés de dominer quelqu'un pour sortir quelque chose. Non. Et moi, je trouve que c'est complètement faux. Quick film. Okay. La meilleure chose, c'est de rien demander. Moi, je fais ça dans la vie aussi bien que dans le travail. Je ne demande jamais rien. Et quand ça, les gens, ils te donnent ce qu'ils veulent donner, et ils te donnent beaucoup plus, non? Parce qu'ils ont. Ils sont libres de distribuer ce qu'ils veulent donner. Non? Put the hand in front of the face. Then it's a, oh yeah, okay. Yeah. Which one do you want? Both. Wet the face a little bit. That was so beautiful. Yo. Look at this. I mean, history. Look. Oh, But I can't get out? No. But it's so warm in the water. It's warmer in the water than outside. Oh, your nose starts crying. Yeah. This. Don't be so professional. The hand up. Yo. Anyway, finished. So one more. I like working with Peter after the holiday. Hello. Huh? That was great. Wow. Oh, that was Fred. That was a good one already. Lord, it's underwater. You do one without this jewelry shit. Hey, look here. Naomi, look here. Use your smile. I can't. We got it. I can't. I'm so sorry. Get out. I'm getting out. The other side. Yes, no. There's no nothing. You want to jump up? Thank you. Tu lui laisses une grande liberté à ce personnage que tu photographies, non? Et il te donne tout à la fin. Et cette histoire qu'on a faite dans le désert, c'était comme une storyboard pour un film quelque part. Ça, c'est plutôt, je trouve, point de vue image, c'était un truc qui m'a toujours fasciné. C'était par exemple un film de Bogdanovich, une histoire complètement différente. Mais cette image noir et blanc de Middle West américain, c'était le Last Picture Show. C'était une des images formidables de justement un petit village avec toutes ces histoires qu'ils ont passées. Cette Amérique que nous, on connaît par le film, en fait, plutôt qu'en vrai. J'aime bien aussi de raconter des histoires qui ne sont pas claires. Non? Tu vois l'histoire, mais tu peux imaginer beaucoup plus de choses. Et là, on était vraiment très précis. Non? Je crois que j'étais rarement aussi précis que ça dans une histoire. Non? Après ça, tu peux vraiment tourner un film quelque part. Non? Comme j'ai fait des photos de mode, j'ai bien de m'écrire un petit scénario, un peu comme pour un film. Et aussi, j'aime bien de mélanger les acteurs avec des mannequins. Ce n'est pas toujours que des mannequins. Et ça donne beaucoup de profondeur à des photos de mode. Et dans les histoires, chaque photo supporte l'histoire. Donc tu sais, c'est très facile de trouver des idées et des images dans ce contexte de l'histoire. Et à la fin, ça fait un petit film, si tu veux. L'idée de cette histoire, c'était une femme qui a un enfant. Elle part de son désert. Un petit truc pourri avec une motel, station d'essence et un petit restaurant. Hein, parce qu'elle a rencontré un type qui l'a promis de faire une star. Et tout autour de cette idée, on a construit cette série. Perfect like this, perfect. Okay. Elle est partie à Hollywood, Los Angeles. Hein, elle a promis de revenir chaque week-end pour voir sa fille. Mais à la fin, elle est que venue une fois tous les deux mois. Tu vois la mère qui revient super habillée avec un chauffeur, avec une limousine et tout ça.
il laisse tomber pratiquement sa famille pour quelque chose qui est qu'une petite illusion. Non? Donc il peut toujours avoir une belle robe, mais derrière ça peut être rien. C'est ça le problème de la mode en tout cas. Chacun peut s'acheter une belle robe et devenir quelqu'un sans aucune raison. En train de s'énerver parce qu'elle n'est pas venue comme elle a promis. Plus tard, tu vois elle qui s'occupe de sa fille et porter des cadeaux de Barbies et tout ça. Bon, la fille est en train de déballer ses cadeaux et elle est là, mais elle ne s'occupe pas de toute la fille parce qu'elle fait ses ongles, non? The whole thing becomes a story. Sister! Yeah, yeah, the figure of the anorexic was really good. You know, Rick, shut up already. Shut up. Just pipe down. Cindy, you're too serious. Don't be too much in profile. Don't even tell me that you don't. You watch those Ricky Lake shows. I know you do. Or Jerry Springer. Like, should we have been a TV here? Where's the television? Sure. What if I get a television? Après, tu le vois, ils font leur déjeuner dans le restaurant. Il y a un peu un vide total dans cette situation. Personne parle, tout le monde regarde dans notre direction. Il regarde ses ongles, tu vois, toutes ces petites choses là-bas, tu peux le composer et le faire sans aucun effort. Parce que quand tu as l'histoire dans la tête, non, ça arrive tout seul. Et la prochaine photo, c'est tu vois, un gros plan d'elle pour... Une photo, elle est vraiment très belle, non? Très un peu dépressif si tu veux. Vous pouvez le forcer vraiment dans le truc négatif lourd. Il y a un charme dans cette histoire. Et aussi, je trouve qu'il y a un charme dans cette personnage. Non? Elle est quelque part sympa. Non? Tu peux le comprendre. C'était pas une critique à une personne qui laissait son enfant avec son frère et qui est parti pour essayer d'être heureux. Non? La fille n'est pas avec la mère, mais avec la belle-sœur de la mère. Moi, j'aime bien les gens simples. Je préfère les gens simples aux gens pour qui l'apparence est trop importante. Ça démange, oui, c'est vrai, c'est terrible. Le styling est formidable, j'adore les décors. C'est le matin, tu vois la elle qui fume, qui regarde dehors un peu dans le désert, et son frère qui est derrière, il n'a pas grand-chose à dire, non? Mais ils sont là tous les deux. Ils sont vraiment là, ils peuvent être proches, peut-être ils sont juste bagarrés, ou ils sont juste dit « Mon frère, je t'aime toujours », et lui, il a dit « Je te comprends ce que tu fais, non? T'inquiète pas », ou il a dit « Tu es vraiment une salope ». Tout est possible, là, dans cette image, tu peux tout sentir ce que tu veux. Après, elle fait une petite 5 minutes avec sa fille qui prend le roller skates. Non? Pendant les autres, deux autres, ils sont là en train d'observer. Ça, c'est très méchant aussi comme image un tout petit peu. Tu peux imaginer ce qu'elle pense la belle-sœur. Elle pense qu'elle vient là-bas avec cette petite cardigan en cachemire et ses chaussures de Prada. Et non, elle fait semblant de s'occuper de sa fille pendant 10 minutes. Pendant nous, on fait ça pendant tout le temps. Cette tension dans cette photo, je trouve. C'est un petit moment de réflexion,
d'elle toute seule. Parce qu'évidemment, dans une série aussi, il faut aussi l'image étant un tout petit peu plus positif ou plus joli, si tu veux, parce que sinon, c'est un truc très lourd. Et, mais moi, je trouve cette histoire, par exemple, pas du tout triste. Non, 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 non. Ça, c'est un truc de la vie. Il y a beaucoup de gens qui partent, beaucoup de gens qui reviennent. Tu vois leur maison, leur histoire au milieu de nulle part, non? Et après, bon, tu manges un peu, après tu sors un peu, tu fais ta petite promenade du dimanche, comme tu as dit. Et après, tu vois elle, c'est la seule fois qu'elle rigole dans la série, parce qu'elle appelait son copain à Los Angeles en disant, bon, c'est encore 3 heures, la voiture arrive, je reviens. Non? Donc c'est le seul moment où elle est heureuse. La belle sœur, elle pleure plus ou moins. Bon, et évidemment, elle s'écoute toutes ces choses qu'elle n'a pas fait bien. Bon. Oui, elle fait semblant un tout petit peu d'écouter, mais à la fin, elle pense, bon, dans 5 minutes, c'est passé, je suis parti. Non. Après, en plus, c'était l'anniversaire de sa fille. Elle a sa petite masque et sa petite, petite nouvelle jaquette. Elle attend déjà la voiture, non? C'est presque couché de soleil. Elle attend la limousine qui arrive. Elle a encore une petite discussion avec son frère et sa belle-sœur. Et voilà, l'histoire est finie. Mila, c'était à Los Angeles avant à peu près 14 ans. Elle a eu cette époque plus que maintenant, cette côté russe, non? Elle était avec Harry Dean Stanton, qui a fait Paris, Texas, et je crois à peu près 90 autres films. Après à peu près 2 heures, elle m'a dit, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire et tout ça? J'ai dit, je vais être actrice, je vais être une star. I was 13. First I was Harry Dean Stanton in the desert and you told me, but I said, I'm going to be a star. No! You did, you did, I'll never forget. And it was so great, finally. Hey, here we go! In the shadow, it doesn't show at all. What? The face. No, no, sure it does. This is fucking beautiful. It's nice to see my eyes sometimes. Yeah, no, no, it's less, hey, it's less contrast to film. Cette côté relation depuis longtemps, c'est magnifique. Donc, par exemple, Mila, que j'ai photographié la première fois quand elle était 13 ans, et maintenant elle a 26 ou 27. Tu peux aller plus loin. Et après. Et une confiance totale, tu ne besoin pas de regagner la confiance chaque fois, non? Cette confiance du début, non? Quand tu connais quelqu'un. Et déjà, c'est incroyable avec quelle vitesse tu peux descendre cette barrière entre deux personnes, non? Parce que sinon, tu n'arrives pas, souvent, tu n'as que 2 heures pour photographier quelqu'un. Tu n'arrives pas au personnage, non? Tu arrives à l'image que le personnage veut donner, mais tu n'arrives pas à ce moment cru, non?
Et ça, c'est toute la beauté d'un portrait, sinon c'est pas la peine. Non. Country singer. It's very Monica Lewinsky kind of. C'est Monica. C'est très chic, Monica. Yeah, it's the bangs with the big poof. Everybody will understand. Oh, it's Joan Rivers too. It's very Joan Rivers. Joan Rivers would love this. It's very chic. Hey, all right, chill out, guys. Watch the cars.
acteurs, les actrices, ils sont très fragiles. Et c'est très important d'avoir conscience de ça. Et d'être capable de to handle this, non? Ça, c'est un très grand capital. Par exemple, cette fragilité, elle est tellement grande. Non? Un regard qui n'est pas bien, une question qui n'est pas la bonne, tu peux détruire toute cette confiance dans une seconde. Non? Et je crois que j'ai une main pour ça. Non? Et ça, ça aide beaucoup. Et c'est vrai, il y a toujours une relation presque amoureuse. Non? Et ça, c'est quelque chose qui enlève toutes les barrières directement. Non? Et je crois que ça, c'est la chose la plus importante. Il faut aimer les gens pour les photographier. Non? Anastasia Kinski, ça c'est pour moi, évidemment, comme je suis allemand et elle est allemande aussi, c'est comme une mythe. Elle a ce côté, elle veut rien, non? Dans sa carrière, elle a fait des films, et à la longue période, elle n'a pas fait des films, parce que quelque part, elle s'en fout de tout ça. Il y a une vraie poésie dans ça, non? De laisser les choses arriver. J'adore beaucoup plus des personnages qui laissent venir les choses, non? Qui commence quelque chose par amour, non, et qui sont pas cette idée de carrière. I told you the story from this picture that's in the book in the desert when you dance. I said to you, mom. And I love how you love the nature and to be outside, you know. That is another person that I worked with was Jean-Henri Lartigue. Mm-hmm. And he loved to be outside too. He was very, you know, quick, just catching what was there, you know, the moment that was there. You feel different, no? Don't you feel different? When I come into the dry lake, we were fucking ready, no? Mm-hmm. It's like beautiful, no? Beautiful. Because then the whole earth and the sky is part of probably because everything disappears. Elle a une fille d'une beauté incroyable, Sonia. Non? Et Nastasia m'a appelé et m'a dit, écoute, ce que je veux, c'est toi qui le photographie d'abord. Non? Donc je te confiance à toi. Non? Elle est très, très, très protectrice avec ses enfants. Incroyable. The memory keeps it. So happy. It keeps it. Peter made these beautiful pictures of Sonia. I got it took so long, remember? Yeah. I saw her in New York, I thought, oh my God, she's really young. It's very moving because I love her so absolutely like crazy and she's my baby. And then Peter, I think he's a fantastic person and an artist, and I think it's interesting for her to be young girl and discovering different sides of herself, you know, and but especially, you know, working with people that are really, you know, loving and sensitive and creative and just sweet people, you know. You can be a great photographer and not be a nice person, and no way. Yes, it's her, you know. I recognize her like when she was a baby, you know. It's like this is, and then she's a young woman, a young incredible person with a million things inside of her, you know, that I know and yet are a mystery, you know. When you look, it's like, wow, there's so much I know about her and there's so much I don't know, and there's so much I will
discover. And yet she's, you know, she's my heart. I know her from her first heartbeat. And so I know every inch of her. Like, the other day she wasn't telling me the truth. And I say, you know, and she was looking at me perfectly clear. And I said, Sonia, I know you, you're not telling me the truth. Yes, I'm telling the truth. Why you don't believe? So I said to her, because I know every inch of you, every cell, you know, and it's exactly what I feel, you know, when I look at the photos, you know, I know every minuscule inch of her, and yet she's this person on her own, you know, this individual who, yes, she's my baby, she's my daughter, and yet she's like a whole universe. Dans le désert, dans mon rap, j'avais depuis 25 ans, 26 ans. Toujours un peu dans la même région. Il y a plein de choses. C'est comme un cadre. Tu peux faire tout cela dedans. Dans le désert où on peut louer des carcasses des avions pour faire des décors. Et ces avions sont un peu comme des métaphores. Ça nous ressemble. Une fois on est tous neufs, une fois on est un tout petit peu abîmé, une fois ça tombe tout en pièces. C'est la même chose avec la mode, avec tout, tout est comme ça. Et ça c'est... Évidemment, il y a une fascination dans ça. J'aime beaucoup des choses dans l'état usé, genre après. On a pris un énorme track américain avec un grue, on a mis des trucs, on a cherché ça. On a mis ça dans le désert. Je crois que j'ai pas vu de film à l'époque, dans les années 70, ce truc de B-movies, des choses comme ça, c'est le Martien, j'ai pas vu ça, non. Well, the first picture is they're just coming for the car, Corvette, with a silver Corvette, and they come there and they see the explosion in the back and the smoke. They stop, they get out of the car. Look what it is from the far. So they get back in the car, they're driving there, they get out of the car, walking around, no Martians, just the just all the trash and the crash stuff. And then from there, so she's walking around because nobody's there, it looks like something crashed and nobody's there. So she picks up certain things. And storm inside with the guns, and they're both standing in the middle and doing something like this. They get like with chrome cables, they get like, how to say that, like hand caps, no?
So they stay there. Then there is like the conference of the Martians. The Martians' chief is sitting on that kind of a space chair or on the rock. Can do also like close ups, and the Martians come and oh, that is great, yeah. And the Martians come and touch them because they've never touched a human being, no. Oh, that's great because that's like poetic, no. Then suddenly, Guinevere, and then the Martians go and examine. They go to the car and they look what is in the car. They open the doors, they open the back, they're looking inside, trying to find out what the car is. See her like doing something like this with her hands. She gets her hands out of the thing, grabs a weapon because they don't have the weapon anymore. She grabs a weapon they put on the floor, on a stone or something, goes to the Martians, those, and all the Martians standing there, no? I don't know. And then probably Fred goes there, shakes hand, and then they become friends. And then the happy end, they're kissing each other, and then some, that was 48 pages by now, and then we stop. Just walking. Action! You know, when you think about something before, you can never really, you can only imagine it, no? And then when you make it and it really looks like the way you imagine it, that is like a very beautiful moment. Yeah. Quelqu'un comme ça, ah, c'est un vrai plaisir parce que ça part très loin, très vite. Hein. C'est beau. La plus jolie chose, c'est cette vibration entre deux personnes et cette poésie. Et la poésie, c'est rare, une poésie sort d'un corps. C'est possible aussi, mais c'est plutôt le visage, non, je trouve, où la poésie passe. Non, j'ai fait des photos avec Booba, avec l'Artigue, avec Charbonnier, avec Renis, avec Cartier-Bresson, avec Lindbergh. Je pense que tout ce qui les lie, c'est quand même une extraordinaire indulgence face à leur modèle. Donc, peut-être le sentiment que j'ai éprouvé à chaque fois, c'est que j'étais souveraine, au fond, que leur modèle est souverain, c'est-à-dire qu'ils cherchent quelque chose, ils prennent ce qu'on leur donne, mais ils n'essayent pas d'inventer ou de transformer d'une manière volontariste, en tous les cas.
Bien sûr que ça va être transformé par la, par le mystère de leur regard, mais c'est pas une transformation qui apparaît comme une, comme un fardeau ou comme une violence. Il y a pas de brutalité. Un petit peu trop de. Ouais. Fait une énorme scénarie, non? Énorme, avec 40 personnes, de lumière, de trucs, de décors et tout ça. Si ça, c'est pas génial, tu peux tout jeter, c'est pas important. Non? Quand tu regardes la caméra, t'as l'impression que c'est comme un enfant. Les enfants, ils peuvent faire ça. Hein? Ils regardent, ils n'ont pas de restrictions, ils n'ont pas d'images, ils n'ont pas des idées sur eux. Non? Ils regardent, ils sont juste ouverts, ils regardent l'objectif. Les photos, elles sont à la fois érotiques et elles ont un côté brut comme ça. J'ai l'impression d'être une paysanne. Mais il y a quelque chose de sculpté. Le corps est. Je sais pas, on a l'impression que c'est comme une sculpture. Un truc que je trouve incroyable, c'est aussi comment tu peux être nu dans le visage, non? Je trouve ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Là, c'est comme une nu pour moi. Ça vient peut-être du côté de. Je sais pas. C'est comme dans ces moments où tu veux rien être spécial ou rien. Tu veux que être présent quelque part, non? Je ne sais pas si c'est ça. Et ça fait tout nu. C'est comme tu enlevais, comme des vêtements, tu enlevais tout le tout jeu de visage. Mais il n'y a pas de pose. Ouais. C'est une pose sans pose. Il a cherché à rendre le corps très présent et très vivant, surtout. À donner du corps, voilà. Et les acteurs, ils aiment ça quand on leur donne du corps. Ils n'aiment pas forcément qu'on leur invente un autre corps. Et la photo, c'est quelque part d'aimer quelqu'un. Non? Quand tu aimes quelqu'un, tu as une autre vue qui est plus riche, non? Et Oui, mais c'est comme le cinéma, d'ailleurs. Aimer, c'est de voir en l'autre quelque chose... C'est voir un petit peu le secret de l'autre. C'est vrai que c'est peut-être encore plus troublant. Moi, je pense que les metteurs en scène, ils se reconnaissent dans les acteurs et dans les actrices. C'est une projection d'eux-mêmes qu'ils font. Alors, le photographe, peut-être aussi, d'une certaine manière. Dans la photo aussi, ouais. Tu n'as pas beaucoup de tolérance. Ah, moi, j'ai un peu appris sur moi en voyant les photos de Lindbergh, oui. Oui, ce qu'il y a de plus dur dans la photo, et au cinéma souvent, mais enfin, encore une fois, au cinéma, d'abord, on en a l'habitude. Et puis le corps au cinéma, il est morcelé, et puis il est en mouvement, il est vivant. Puis il appartient à une autre, et puis il est soumis à une démarche. Enfin, il y a des tas de petites fictions qui interviennent pour qu'à la fois on retrouve son corps, en même temps c'est pas le sien, mais c'est troublant pour un acteur, parce qu'un acteur, c'est plus difficile pour lui d'aller à la recherche de soi dans la photo que dans un film, qu'à travers un rôle, curieusement. Il est beaucoup plus protégé dans le cinéma que dans la photo, parce que souvent la photo passe par des contraintes qui lui sont très extérieures. Contraintes, encore une fois, de la mode ou de la beauté. L'acteur, il est très éloigné de lui quand il fait de la photo. D'Almodovar, pour moi, c'était très étonné parce que je n'avais pas du tout attendu ça. C'est comme nous, on arrive aux endroits pour travailler et les gens, ils sont choqués parce qu'ils pensent qu'ils ont une bande de prima donna qui arrive, tout branché de la tête aux pieds. Et ils voient une équipe de jeunes types qui arrivent, qui sont tout gentils, tout simples, qui font un travail merveilleux. Et ça, je sentais chez lui, cette façon de travailler en famille quelque part. Deux jours à Madrid, c'était comme une rêve. Travailler avec Almodovar, avec Géraldine, avec tout le monde.
Géraldine, que je voulais toujours rencontrer, et enfin je l'ai rencontré. J'étais très content. Ça, c'est vraiment enrichissant. Et c'est aussi, ça te donne l'espoir. Dans ce monde-là, c'est pas que d'attitude ou que de tac tac, ça doit être comme ça, vite, 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 non, et tout ça. C'est un vrai espoir pour moi de voir pas de Pedro travailler. Vraiment, vraiment énorme. Découvrir un homme qui a tellement de parallèles avec ce qu'on fait là et la façon qu'il fait ces choses, c'est très simple. Les équipes sont petites, tout est bricolé. Et ça, c'est l'atmosphère où tu ne perds pas ton focus, non? Parce que le focus, c'est toujours ce qu'il reste après, non? C'est ce qu'il reste sur le celluloid, sur le film après. Et j'ai découvert quelqu'un qui travaille de la même façon. Il est drôle, il n'est pas du tout démagogique. Tout le monde l'adore, tout le monde qui peut tout avoir ce qu'il veut, non? Et ça, c'est très beau, je veux dire. Imagine à Los Angeles, il n'y a que des acteurs à Los Angeles. Non? Tout le monde vient de partout à Los Angeles pour réaliser ses rêves. Non? Tu vois des gens qui ont un talent incroyable, qui sont une aura, qui sont un feeling, qui sont des personnages très forts. Parce que dans cette machinerie, si tu n'es pas fort, tu n'existes pas. Cette machinerie est colossale. Non? C'est colossal. C'est un énorme challenge, un énorme risque qu'ils prennent. Donc, j'ai demandé à quelqu'un de me trouver toutes les actrices très jeunes, très nouveaux, qui ont fait des choses intéressantes. On a fini avec 12 jeunes actrices. Oh, il y a plein de Julia Stiles, Amy Smart, Erika Christensen qui était dans Traffic, Kira Chaplin qui est en train de faire son premier film, Brittany Murphy, fantastique. Donc c'était pour moi une vraie aventure. Je ne connais personne personnellement. Et c'était fantastique de voir tous ces espoirs et toutes ces choses. Cette ouverture, c'était magnifique. C'est comme tu ouvres un livre avec des pages blanches que tu peux remplir dans les prochains 10 ans. Ça, c'était vraiment très joli, cet art. Les décors, c'était les décors d'un tournage à Los Angeles, à Hollywood, si tu veux. Et ça, c'était un peu le cadre optique pour tout. Non? Et chaque situation, on a laissé les filles venir, on n'a rien préparé. Non? Et pour chaque fille, on a fait... un peu quelque chose adapté à son personnage. Beautiful, beautiful. C'est étonnant et c'est émouvant quand tu vois quelqu'un comme Kira Chaplin qui a à peine 20 ans. Et d'avoir comme quelqu'un de 20 ans peut avoir une aura comme ça. C'est magnifique de voir ça. Mr. Maynard.
Brittany Murphy, comme elle était vif, cette énergie et cet espoir qu'ils portent, non? Je trouve ça, c'est plus beau que la réussite. Je trouve l'espoir, c'est plus beau que la réussite. C'est incroyable, cette énergie. De quelqu'un qui vient là-bas, qui commence à t'as l'impression qu'ils ont mis des piles dans elle d'un coup, et démarre quelque chose d'incroyable. Julien de Rosen, this is the first actress we're shooting. Mama! Oh, this is great, thank you. Thank you. Thank you. Diamonds are a girl's best friend. She just wanted to be photographed. She's a great, unique, incredibly beautiful and talented Ida Lindbergh. I'm sorry, Peter, who? Ida Lindbergh. Oh my God. Give an indication. You must be plucked. It's so funny in this. Get the plug out. Hey, first question. First question. How can you be so incredible? No, stop it. Julian said the piano. I'll be there in one night. It's a nutcase to see a nutcase. Oh, yes. This has to become the contract. I promise you. You can always get them this way. Don't lose that. That's insurance right there. It's a Sharpie. Yeah. That's a cool picture. PF story in Italian Vogue. Contract. Deal. 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 I would die. Yeah. I would die. We can't die though. See, no. No, we do it in heaven then. We'll die. The heaven Vogue. I'm sure there is. Look at this. Can you imagine? I've never seen so much emotion and one square feet. It's your first time with Lindbergh. Yeah. Is this your first time as well? Yeah. It's your first time with. Oh, how sneaky we are. Moitié des actrices qui ont eu une grande timidité. C'était pas du tout le showbiz qui arrive, hello, I'm here, non, pas du tout ça. Moi, je me demandais comment il peut exister dans cette machinerie avec cette timidité. Et je trouve la plus belle chose, c'est d'accepter sa timidité. Je trouve que si on accepte sa timidité, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin parce qu'on peut garder toutes ces choses fines qui étaient dans toi. Tu peux les garder. Tu te sens pas obligé de tout écraser juste pour. Exister dans un système. Non. Quelqu'un, il peut plus tricher. Et s'il essaie de tricher, ça c'est très flagrant. Tu vois, ça beaucoup plus fort que dans la vie normale. Comme moi, j'ai fait beaucoup de mobiles, c'est plutôt pas le plaisir, j'ai pas envie d'arrêter. Non. C'est comme, comme tu manges quelque chose que tu adores de manger et tu es triste que c'est fini. Tu vas manger encore plus, tu commandes encore un plat. Non, c'est un peu ça. Non. Et tu fais. Non, la personne, elle lâche un peu. Non. Elle est plus si tendue. Non. On est parti à Stromboli,
Et on a dit, voilà, on va faire autre chose là-bas. On n'utilisait que ce lieu, avec le sable noir et la mer et des choses comme ça. On utilisait ça pour notre histoire. Au début, on voulait faire une histoire, on s'est cassé la tête, qu'est-ce qu'on peut faire. Et après, on dit, on pense absolument rien, on prend Kara et on part là-bas. Hein. Et le résultat, c'est assez impressionnant de sa part. Hein. Il a une tristesse. Oui, il a une tristesse, mais c'est pas la tristesse qui est intéressante. Il a ses yeux incroyables, qui sont perçants, et qui sont énormes. Tu as l'impression que les yeux sont deux fois plus grands quand tu le regardes. Hein. C'est peut-être plutôt mélancolique un peu. Comme elles se sont obligées de faire cette mélancolie dans le regard, non? Tu vois un visage et tu vois le personnage. De voir le monde des gens avec cet appareil, c'est incroyable comme ça change de regarder quelqu'un dans la caméra au lieu de juste regarder comme ça. Et souvent, des gens qui se connaissent depuis longtemps, d'un coup, le photographier et ils deviennent complètement différents pour moi. Après, ils ne sont plus les mêmes. Et comme je vois après quelqu'un sur papier que je photographie, j'ai l'impression que c'est tout sur lui ou sur elle. Non? C'est pas du tout toujours comme ça dans la vie normale. Non? Dans la vie normale, tu peux me tricher complètement, non? Mais pas avec la caméra. Non?